Voilà, comme il est 6h32, je propose que l'on commence par accueillir Charlotte Courey, que j'accueille de façon un peu éhontée, parce qu'en fait, Charlotte est plus chez elle ici quasiment que nous tous, puisqu'elle a soutenu sa thèse il y a déjà quelques années à l'INALCO, avec cette version publiée que je projette juste derrière moi, donc l'Algérie des oulémas, une histoire de l'Algérie contemporaine, dans laquelle Charlotte avait non seulement le mérite de plonger dans l'histoire de l'AOMA, d'ailleurs... Je crois que la couverture, c'était un congrès de l'AOMA dans les années 40. C'était juste après-guerre, je crois, d'après ce que tu expliquais. Mais il y avait aussi le mérite de poursuivre cette histoire au-delà de la rupture de 62, et notamment d'étudier les résurgences et les reformulations de cette association des oulémas musulmans algériens jusqu'aux années 90, et notamment avec le début du conflit, enfin de la guerre civile en Algérie. Et dans cette thèse, elle abordait déjà les questions d'arabisation, des politiques d'arabisation en Algérie, la place évidemment de la langue arabe dans le nationalisme algérien avant et après 1962. Travaux qu'elle a poursuivis depuis, donc à l'Université Lyon 3, puisque tu as quitté Paris pour t'installer là-bas, à la Faculté des langues. Et tu as commencé donc plusieurs projets de recherche et plusieurs premières publications. Donc c'est les pratiques artistiques plutôt musicales, en fait, hein, et urbaines, toujours dans cette Algérie coloniale jusqu'en 62 ou un petit peu après 62 même parfois. Et donc on est à la fois très content de t'accueillir aujourd'hui parce que j'ai l'impression que tu vas à la fois nous parler donc, de ces travaux plus anciens et puis de tes travaux plus récents. Et c'est une belle façon d'arriver un peu déjà à la fin de notre cycle, puisque c'est déjà l'avant-dernière séance en fait, qui nous rassemble cette année donc sur ce thème de la langue arabe. Donc un grand merci Charlotte, si tu ne veux pas, je vais mettre en bas pour suivre ton slide et te rendre la maîtrise de la projection. Merci. Voilà. Alors, merci beaucoup Philippe, merci à l'ISM et merci à la BULAC de m'avoir proposé cette conférence. Je remercie aussi Augustin Jomier parce qu'il avait fait le lien et qu'il intervenait dans la séance précédente, donc c'est l'occasion de le saluer. Donc je vais aujourd'hui vous présenter une conférence sur les enjeux des politiques d'arabisation au Maghreb indépendant années 60-80. C'est donc une thématique, comme le disait Philippe, que j'ai commencé à travailler par le biais algérien, je pense que ça se verra, et que j'ai poursuivi là dans les dernières années dans le cadre d'un projet sur les circulations culturelles entre le Maghreb et le Proche-Orient arabe, le Mashrek, qui s'intéresse à la fois à l'axe des circulations culturelles au sens des arts, mais aussi des circulations culturelles au sens de l'enseignement et des échanges autour de cet enseignement. Pour cette conférence, je voudrais payer mon tribut à Gilbert Grand-Guillaume, qui a été le pionnier en fait, dans la recherche française sur ces politiques d'arabisation et qui a écrit une somme sur ces politiques d'arabisation. Et il se trouve que Gilbert Grand-Guillaume est aussi un de mes témoins dans le cadre de ma recherche actuelle parce qu'il a enseigné en Algérie dans les premières années de l'indépendance et il enseignait l'arabe parce qu'il était agrégé d'arabe. Donc ça aussi, c'était un point d'ancrage pour moi pour essayer d'étudier les coopérants orientaux qui sont plutôt mon objet de recherche, qui sont venus, on va le voir dans la conférence, dans le cadre des politiques d'arabisation. Alors, sur cette thématique-là, donc, comme je le disais, je vais m'appuyer sur des travaux qui ont été publiés depuis les années 1980. Je vais m'appuyer sur les recherches qui sont en cours, et donc je voulais préciser ça aussi, que ce sont des recherches qui sont en cours et que je ne présente pas des résultats aboutis, comme ce serait le cas si c'était sur l'association des oulémas, par exemple. Et donc on va, pour introduire un petit peu le propos, s'intéresser à cette notion d'arabisation, puisque le terme arabe c'est ta'rib, qui est le fait de rendre arabe, donc le fait d'arabiser, qu'on peut aussi utiliser sous une autre forme en arabe qui est ta'rub, qui est le fait de s'arabiser, mais au sens de prendre plutôt, de se transformer vers l'arabité dans son ensemble, alors que ta'rib ça peut être juste le fait de traduire un terme en arabe. Et donc cette conférence porte spécifiquement sur le Maghreb parce qu'il y a des enjeux qui lui sont spécifiques, même si le phénomène d'arabisation n'est pas propre au Maghreb. Et donc je vais aussi évoquer rapidement cette arabisation plus largement.
Donc, cette arabisation, elle relève de politiques publiques. Ce sont des politiques d'arabisation qui visent à établir l'arabe comme langue officielle pour l'éducation, pour les médias, pour l'administration, avec une idée dans le cadre du Maghreb, mais c'est aussi le cas pour les autres pays colonisés, mais d'une rupture avec la colonisation et donc d'une restauration de la langue arabe. Qui a aussi été étudié d'ailleurs par exemple pour le Soudan par Iris Seri Hersh sous le prisme de son lien avec l'islamisation, et ça aussi ce sera une de nos questions, on va y revenir tout à l'heure. Ces débats sur l'arabisation ne sont donc pas propres au Maghreb, on les retrouve aussi sur des questions beaucoup plus récentes et contemporaines et liées encore une fois à la question de l'islam et de ses manifestations contemporaines sur l'arabisation en Asie ou en Afrique qui est liée en fait à l'enseignement islamique. Donc des enjeux de l'arabisation qui sont propres au contexte, et donc on va s'intéresser aujourd'hui à définir ceux qui sont propres au Maghreb. Et au Maghreb, c'est d'abord un enjeu politique et identitaire à la sortie de la période coloniale, avec cette idée de retrouver une identité qui a été perdue ou qui a été abîmée par la présence française, puisque c'est majoritairement les Français, même s'il y avait les Espagnols aussi au Maroc. Et puis, c'est aussi s'inscrire dans le cadre du nationalisme arabe et de cette idée d'arabisme, de panarabisme des années 50-60. C'est aussi, on va le voir, un enjeu de société parce que c'est un enjeu d'alphabétisation aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'accès à la langue et à la lecture, l'écriture, mais qu'elle soit en français ou en arabe, c'est d'abord en fait un accès à l'école qui est recherché dans les premières années. Puisque donc au Maghreb, on fait face à l'issue de la colonisation à des taux d'analphabétisme qui sont énormes et à une population qui est très jeune, puisqu'on a environ entre 50 et 60% de la population qui a moins de 24 ans. Et ces enjeux donc, qui sont liés à la fois à l'éducation, à la formation en fait des populations, mais c'est lié aussi à des enjeux qui sont locaux, c'est-à-dire la question des parlers locaux, les parlers dialectaux qui sont arabes ou berbères pour le Maghreb, et un autre enjeu qui est celui du monde économique et du capital social que représente encore la langue française dans une société post-coloniale. Donc, pour illustrer l'ensemble de ces enjeux, je voulais ouvrir avec une référence à une scène du film L'Oranais de Liès Salem, qui était sorti en 2013, dans lequel, les débuts de l'indépendance au sein du FLN, et le président qui se trouve, je crois que c'est le président, si je ne me trompe pas, mes souvenirs sont un peu lointains. Mais en tout cas, c'est donc une position de pouvoir et deux conseillers, et les deux sont dans l'industrie et cherchent en fait à définir comment ils peuvent arabiser. Donc il y en a un qui ne parle qu'en arabe littéral, en arabe fusha, par principe, en disant c'est la loi, maintenant il faut parler en arabe fusha. Et celui qui est en face dit moi je voudrais bien parler en arabe fusha, mais je ne le connais pas assez bien, et surtout je ne sais pas dire si métallique en arabe. Et donc, tout l'objet du dialogue est évidemment une scène comique, et de demander à celui qui ne parle qu'en arabe fusha comment il dirait la si métallique en arabe. Et après un long moment de réflexion, il dit « si you il metallico », qui est donc en fait une façon d'arabiser cette si métallique, mais qui n'est pas ce qu'on trouverait dans les lexiques que je vais vous présenter, qui ont été faits dans le cadre des politiques d'arabisation et de coordination de l'arabisation. Et donc, on voit le regard des deux comédiens dubitatif à cette réponse, mais ça clôt le débat, et donc il dit « toi tu travailleras la scie ou métallico, et toi tu travailleras la scie métallique, et maintenant allez au travail ». Donc c'est juste pour marquer comment ces questions sont encore prégnantes dans les productions culturelles et dans la société elle-même, et ça m'amènera d'ailleurs à faire régulièrement des écarts par rapport à la borne que je m'étais fixée de 60-80, parce qu'en fait, on retrouve dans les années 90-2000 et jusqu'à aujourd'hui des questions qui sont encore brûlantes et passionnées au Maghreb sur les politiques d'arabisation. Donc, je vais décomposer l'intervention en trois parties. J'aurai une première partie sur l'arabisation à l'heure de la décolonisation et de l'arabisme, c'est-à-dire toutes les
les efforts pour s'inscrire dans cette politique d'arabisme, de coordination de l'arabisation et d'identification à l'identité arabe, disons en général. Ensuite, on aura une deuxième partie qui sera consacrée plus spécifiquement à l'enseignement, à la question de l'arabisation de l'enseignement. Et puis, je terminerai avec les résistances et les oppositions. On aurait pu commencer aussi par ça, hein, mais je termine avec ça. Comme ça, on aura tous les éléments des politiques qui ont été menées pour comprendre aussi les interactions avec les populations. Alors, premier point, l'arabisation à l'heure de la décolonisation et de l'arabisme. Le premier élément, c'est de s'inscrire dans les efforts en faveur de l'unité arabe dans les années 1950-1960, puisque, comme je le disais, cette question de l'arabisation et de la modernisation de la langue arabe, de son adaptation à la société, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas propre aux questions liées à la décolonisation au Maghreb après les années 50. On retrouve, en fait, dès la fondation de la Ligue arabe en 1945, une volonté d'unifier le monde arabe, d'arabiser et de trouver des moyens d'unifier cette arabisation, même dans l'ensemble des pays du Moyen-Orient arabe, pour lesquels on parle moins de politique d'arabisation parce qu'elles ont peut-être moins été l'objet de débats aussi prégnants. On parle en général de cette arabisation plutôt pour la période de la Narda, qui est la période de la fin du 19e, début du 20e, sur laquelle Anne-Laure Dupont avait fait une conférence en janvier, je crois, et donc sur laquelle vous pouvez revenir pour retrouver les différents éléments liés à cette renaissance de la langue arabe, de la culture arabe, d'abord par la littérature et par la presse. Donc, dans ce cadre-là, cette coordination de l'arabisation se situe en fait à partir de 1961 à Rabat, parce qu'il y a un congrès de l'arabisation qui est convoqué en 1961, en avril, par le roi du Maroc, qui vise à cette unification. Et donc les différents délégués, les représentants des États, soit des États indépendants, soit les délégués des États en cours de décolonisation, puisqu'on est en 61, interviennent et discutent de ce qu'il faut mener en fait comme politique et des mesures qui peuvent être appliquées, également des difficultés qui se posent à l'ensemble de ces pays arabes pour unifier la langue arabe. Dans les interventions, les questions de vocabulaire reviennent énormément, sur les questions techniques notamment, l'adaptation du vocabulaire technique et professionnel, l'adaptation au monde contemporain, avec des aspects très pratiques qui occupent en fait beaucoup les discussions sur l'arabisation dans ces années-là, notamment pour l'uniformisation entre le Maghreb et le Mashrek, pour l'utilisation des chiffres arabes ou indiens, par exemple, puisque ce qu'on appelle les chiffres arabes ne sont pas utilisés en fait en arabe, puisque c'est les chiffres indiens qui sont utilisés pour le Mashrek. Et donc ça pose des cas concrets dans les restitutions des débats qui ont eu lieu sur la poste, par exemple. Comment on fait pour les PTT pour qu'on puisse avoir un système unifié qui permette à tout le monde de comprendre à qui il faut adresser le courrier, etc. L'idée est de coopérer parce que ces politiques-là sont déjà menées à l'échelle nationale, en fait, dans chaque pays, par des académies de langue arabe qui sont présentes traditionnellement à Damas, au Caire, à Bagdad, et qui produisent depuis les années 1920-1930 des lexiques qui sont, disons, qui ont obtenu l'accord ou le consensus au sein de cette académie, mais qui ne sont pas forcément les mêmes d'une académie à l'autre. Et donc l'idée est de pouvoir fédérer cette activité sur les académies. Et donc ce congrès d'arabisation donne naissance à un bureau permanent du congrès de l'arabisation, qui devient ensuite un bureau de coordination de l'arabisation situé à Rabat, et sur lequel Monji Sayadi avait en 1976 rédigé une thèse à Paris 3, où il explique bien que c'est le seul organe de la Ligue arabe qui, en 61, est établi en dehors du Proche-Orient et qui a son siège au Maghreb, et que la question de l'appartenance, en fait, du statut juridique, est-ce que c'est une organisation marocaine ou est-ce que c'est une organisation de la Ligue arabe, se pose dans les premières années, donc avec un flou dans les premiers temps. Mais par contre, les objectifs sont très clairs, c'est donc d'unifier les terminologies
Et le but est de fournir aux pays de langue arabe un lexique qui soit commun, sélectionné donc parmi les productions étatiques, avec des débats, des discussions et des suggestions. Ça a donné lieu aussi, à partir de 1963, à des politiques ou des campagnes, disons, de diffusion d'une langue purifiée ou d'une langue améliorée, même dans le langage parlé, en fait, avec des termes qui sont utilisés et leur équivalent en arabe. Donc, pour vous en donner un exemple, vous avez cette petite brochure qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France, qui a été publiée en 1969 et qui s'appelle « Qul wa la taqul », donc « Dites, ne dites pas ». Et donc, ce sont des alternatives à chaque fois aux termes qui sont utilisés habituellement. Donc, vous avez toute une série de termes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, du sport, des produits d'hygiène, de tous les produits de consommation courante. Donc, avec les différents termes qui doivent être utilisés. Donc là, par exemple, pour la cour, le dernier terme, le lexique suggère « essaha » et pas « la cour ». Donc vous avez à chaque fois en fait le terme qui est écrit en arabe mais qui est la prononciation française. Et donc dans la fin de ce petit lexique, vous avez ce qui m'a surprise, hein, le je m'en fous au milieu de la flèche et du gaz. Et le je m'en fous en fait c'est aussi une façon, donc ça m'intéresse parce que évidemment c'est un peu décalé et que c'est amusant, mais aussi parce que la proposition en arabe c'est mayhomonish ou alors la yahomoni au lieu de je m'en fous. Mais cette proposition, en fait, le fait qu'il y ait les deux, vous avez la négation dialectale et la négation littérale, en fait, dans l'usage arabe. Et donc, on voit bien qu'il y a une volonté d'essayer de donner des clés pour faciliter, pour que ça ressemble quand même, que ça fasse partie du langage parlé, mais que ça soit arabisé. Donc, cette arabisation, elle a plusieurs niveaux qui sont à la fois très institutionnels, très académiques, pour le coup, mais elle a aussi des orientations et des objectifs qui sont très concrets et qui sont dans la diffusion dans la population en fait de nouveaux usages et de nouveaux termes. Ça se retrouve aussi dans les différentes manifestations culturelles qui ont pu être organisées et puis ça se retrouve dans la dimension technique avec un développement par le bureau de coordination de l'arabisation d'une technique en fait de codification pour les machines à écrire, pour l'informatique. Je pensais que je vous l'avais mis, mais j'ai dû l'oublier. Qui s'appelle l'ASV Codar et donc qui est une façon de faciliter en fait les caractères typographiques en arabe, qui est une des difficultés en fait qui a été mise en avant dès la période de l'imprimerie et de la diffusion d'imprimés en arabe sur les enjeux pratiques en fait et techniques pour pouvoir imprimer en langue arabe. Dans ce cadre-là, un des objectifs, c'est aussi de s'inscrire dans une identité qui soit arabe et musulmane au moment des indépendances, en réaction à la colonisation, comme je le disais tout à l'heure, parce que cette colonisation avait assigné des identités aux colonisés qui étaient donc musulmans, indigènes, arabes, berbères, selon les catégories coloniales. Et donc, toutes ces catégories en fait ont des conséquences aussi dans la façon dont les populations se perçoivent et parfois revendiquent une identité qui était dégradante mais qui est valorisée pour en faire un motif de fierté. Dans ce cadre de la colonisation française, je rappelle, on a plusieurs types de colonisation et donc on retrouve dans les politiques d'arabisation des différences qui sont liées aux différences de colonisation de modalités de colonisation des pays, puisque l'Algérie était des départements français, tandis que le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, donc qui avaient conservé leur propre gouvernement. Et donc les positionnements politiques dans la décolonisation peuvent aussi refléter parfois ces réalités différentes, même si on a des enjeux qui sont tout à fait communs. Donc les mouvements de libération se sont beaucoup appuyés sur ce fondement de l'identité arabe et musulmane comme à la fois identification en contexte de lutte, mais aussi encouragé par le contexte du panarabisme et la politique du président égyptien Nasser qui a beaucoup soutenu les luttes anticoloniales et qui défendait aussi cette vision, cette identité arabe à l'échelle de l'ensemble de la région pour tous les pays qui parlaient l'arabe. Donc ce sont
des politiques qui sont nées aux indépendances, mais qui sont en fait nées dès avant l'indépendance par les mobilisations contre la colonisation et dans les moyens de lutte, et notamment de lutte culturelle dans les colonies. Pour faire un petit point rapide sur les mesures qui ont été mises en place peut-être aux indépendances par pays, on va commencer par donc Tunisie et Maroc qui ont été indépendants en 1956, l'Algérie en 1962. Pour la Tunisie, la question de la langue arabe a été moins liée à une identité religieuse que pour l'Algérie, par exemple. Parce que c'était aussi une volonté de l'État de tunisifier davantage que d'arabiser le pays. Et donc, c'est aussi lié à la situation coloniale au protectorat qui n'avait pas complètement désarabisé, disons, l'environnement culturel, contrairement à l'Algérie. Dans ce cadre-là, on a une première période entre 1956 et 1968 dans laquelle le bilinguisme est maintenu et encouragé. Il était déjà présent avec des formations des élites qui étaient en fait bilingues arabes et français pendant la période de colonisation. Avec une seconde période entre 1969 et 1986, qui est celle d'une recrudescence des politiques d'arabisation, avec la volonté d'arabiser l'enseignement en particulier. Et puis, une période de 1989 à 1994, donc à la toute fin de la période qui nous intéresse, qui a réintroduit un petit peu le français, sans abandonner l'arabe, mais avec une volonté d'arabisation ouverte, disons, c'est le terme qui est utilisé par Gilbert Grand-Guillaume à partir des sources. Et donc, les matières sont enseignées en arabe dans la formation de base, mais après, l'enseignement du français est quand même réinséré et relancé dans l'école. Deuxième exemple, le Maroc, avec une première politique d'arabisation qui démarre tout de suite après l'indépendance, en 56-57, mais dans une volonté d'arabiser les cours préparatoires, donc la première année de primaire, mais qui est vue comme improvisée, qui en fait n'a pas les cadres pour le faire, et donc qui est un premier échec qui ralentit un petit peu le démarrage de cette arabisation, qui reprend entre 59 et 66, et qui est géré par l'Istiqlal, donc le parti de l'indépendance, qui est le parti de la lutte nationale, et qui est aussi le parti qui influence, enfin un rôle très important dans la vie politique aux côtés du roi du Maroc. Cette politique d'arabisation, elle est axée selon quatre points, l'unification, l'arabisation, la généralisation et la marocanisation, donc tout ça visant évidemment l'éducation nationale. Et dans ce cadre-là, l'Institut d'arabisation qui est créé, en fait, rejoint ce bureau de coordination de l'arabisation, hein, c'est simplement une évolution de cette première... de cette première institution. Et le processus d'arabisation continue avec l'arabisation des fonctionnaires, donc de l'administration publique. Après cette première phase, il y a une phase de pause à partir de 1966 avec un ministre de l'Éducation qui cherche à appliquer les mesures mais qui fait face à des grandes difficultés, qui pose le problème du niveau de l'enseignement qui est compromis par cette politique d'arabisation. Et il suggère de revenir à l'introduction en fait, de l'enseignement scientifique en français et d'instaurer une sélection à l'entrée du secondaire. Donc ça s'oppose à la fois à la massification et puis à l'arabisation. Ce qui provoque des polémiques intenses, notamment avec le parti de l'Istiqlal, qui était donc à l'origine des premières politiques d'arabisation, qui lance une grande campagne de pétition à travers le pays en 1973 pour réclamer cette arabisation généralisée. Et c'est à la suite de ces événements-là qu'on a une troisième phase, qui est donc une phase d'arabisation par un ministre qui s'appelle Azdine Larraki, qui mène cette arabisation
en disant on y est condamné. Il y a un article, une interview dans laquelle il s'est prononcé dans le Jeune Afrique, dans laquelle, dans les années 1980, il disait nous sommes condamnés à arabiser, nous arabisons parce que nous y sommes condamnés. Et c'était à la fois une affirmation de la volonté politique et de l'identité qui voulait être mise en avant, et en même temps des difficultés liées à la baisse du niveau de français aussi dans la population dans les années 1980. Cette politique d'arabisation, elle a été un petit peu atténuée dans les années 90 avec une relance en fait du bilinguisme pour les disciplines universitaires notamment. Et cette question de l'université, on va la retrouver tout à l'heure, j'y reviendrai, puisqu'elle se pose de façon très, très présente. Dernier des trois pays dans lesquels, sur lesquels on travaille aujourd'hui, l'Algérie, pour laquelle donc, on a une tension, disons, d'autant plus grande liée à la question de la langue et des politiques linguistiques, que la colonisation a été totale et que l'Algérie n'a pas conservé de gouvernement propre au moment de la colonisation française. Cet enjeu de la langue, en fait, devient très rapidement un enjeu lié aux questions de pouvoir aussi, c'est-à-dire que la notion de capital social, de ce qu'on peut avoir en ayant la langue française ou en ayant la langue arabe, est encore plus, est renforcée par rapport à ce qu'on observe aussi pour la Tunisie et pour le Maroc. Et donc là encore, quelques étapes qui sont celles qui ont été identifiées par Gilbert Grand-Guillaume que je citais tout à l'heure. Il parle d'une arabisation effervescente sous Ben Bella, donc entre 1962 et 1965, avec une annonce de l'arabisation pour les écoles dès 1962, ce qui est fait à partir de 1963 avec des étapes pour la première année du primaire en 1964. Et puis l'arabisation connaît des différents rythmes ensuite, avec sous Boumédienne, donc le président suivant, des phases différentes selon les ministres. Donc on a une première phase entre 65 et 70 sous le ministre Taleb Ibrahimi, avec l'arabisation qui est en fait une phase culturelle de l'indépendance, c'est l'idée d'une affirmation de l'indépendance par cette arabisation, qui va de pair avec la démocratisation et avec une orientation scientifique, donc avec une volonté aussi de réfléchir à la modernisation en même temps que l'arabisation. Deuxième phase de cette période-là, les années 70 à 77, dans lesquelles l'arabisation de l'administration aussi est décidée. Entre 68 et 71, il y a des mesures qui sont prises pour l'application d'une réforme administrative qui oblige tous les fonctionnaires à maîtriser la langue arabe et qui passe, par exemple, les formulaires du français vers l'arabe. Ce qui est ralenti par deux années de ministère pour Mostafa Al-Ashraf, qui entre 77 et 79 opère une sorte une pause en fait de l'arabisation pour essayer de réfléchir aux enjeux. Et là encore, on retrouve ce qui avait motivé la pause dans le cas marocain, l'idée du niveau en fait de l'enseignement et de l'adaptation et du temps qu'il faut pour former les enseignants, pour former les cadres dans l'administration, et que ce temps qui est pris, l'arabisation ne peut pas être mise en place tout de suite, il faut le temps de préparer. Donc c'est cette idée-là. Ça ouvre des débats dans la presse qui sont des polémiques énormes autour de justement cette question de la place du français, de l'arabisation, des dimensions en fait culturelles liées à l'arabisation. Et dans la présidence qui suit dans les années fin 70 et 80 est reconduite une politique d'arabisation beaucoup plus intense, donc avec une vraie rupture avec cette pause précédente. Donc on voit qu'on a cette sorte d'aller-retour dans la plupart des cas, entre des politiques d'arabisation qui sont très volontaristes, qui veulent aller vite au moment des indépendances, et puis des moments de pause, de temps de recul, mais qui suscitent en fait la polémique. C'est-à-dire que chaque recul ou chaque pause dans la politique d'arabisation est vue comme une trahison des objectifs culturels, des objectifs politiques de l'achèvement de l'indépendance. Ce que je voulais préciser, c'est que ces différentes politiques ne sont pas le fait d'une minorité religieuse arabophone, comme ça a pu être parfois identifié dans les débats justement
dans les journaux sur la fonction des oulémas, donc sur lesquels moi j'ai travaillé pour l'Algérie auparavant, et donc c'était de ce point de vue-là que j'avais traité la question dans mon travail précédent. Mais on le retrouve aussi pour le Maroc, c'est-à-dire ce sont les savants religieux musulmans qui se positionnent aussi en faveur de l'arabisation parce qu'il y a le caractère de langue sacrée du Coran et que le lien entre arabité et islam se fait pour ces courants-là de façon très naturelle. Alors, je vais passer un peu plus vite sur la suite. Même si ce ne sont pas, donc c'est principalement ces religieux ou en tout cas des arabophones qui sont déjà en fait dans un milieu arabisé avant l'indépendance, qu'ils le suscitent, ça fait partie de politiques qui sont beaucoup plus larges et même des francophones ont mené en fait ou ont défendu des politiques d'arabisation à l'échelle du pouvoir. En revanche, elles en profitent beaucoup, c'est-à-dire que dans les retombées, dans les possibilités de travail, l'accès des diplômés arabisés au marché du travail, plus l'État arabise et plus il y a de place dans la fonction publique aussi pour ces personnes-là. C'est valable aussi pour l'environnement. Sur les références culturelles et l'environnement, donc pas seulement l'administration, mais aussi les enseignes dans la rue, les publicités, par exemple, pour lesquelles il y a eu aussi volonté de rendre obligatoire l'affichage en arabe. Ça a été le cas pour l'Algérie, par exemple, dans le cadre de la politique d'arabisation de l'administration. Donc dans ces années-là, on a aussi une volonté d'avoir un environnement arabisé, ce qui a conduit à des traductions de noms d'enseignes qui ont été raillées, qui ont été moquées beaucoup dans la presse, notamment par les francophones. On le voit dans cet extrait d'un petit billet de Mohamed Kassimi qui fait la liste en fait de tout ce qu'ils ont relevé à l'époque comme absurdité, donc comme mauvaise traduction du français vers l'arabe. Et référence à l'avenue Anatole France rebaptisée Anatole Algérie. Donc là, je ne sais pas, j'en ai pas discuté avec lui pour savoir s'il l'a vu de ses yeux, mais jusque-là, je l'avais toujours vu comme étant plutôt une blague, mais il faudrait qu'on en parle. Mais ça montre un peu le paroxysme de ce type d'empressement ou de hâte. Et c'est très lié, évidemment, à une position aussi critique sur la façon dont cette politique est conduite. C'est-à-dire que ceux qui se moquent de ces enseignes sont ceux qui pensent que l'arabisation est mal menée ou qu'elle ne devrait pas être menée, ou en tout cas dans une autre façon. Mohamed Kassimi est lui-même francophone et arabophone, donc c'est pas lié à ça. Donc sur la phase des années 90, enfin 80-90, justement d'arabisation de l'enseignement, de l'environnement, pardon, c'est moins présent pour le Maroc et pour la Tunisie parce qu'en fait l'environnement n'avait pas été francisé, disons, totalement. Mais on le retrouve quand même dans des débats très contemporains en Tunisie au moment où la municipalité Ennahda avait voulu, c'était 2017 si je ne me trompe pas, 2019, faire appliquer un décret municipal qui disait qu'il fallait que les enseignes soient en arabe, et les enseignes sont beaucoup en français. Et donc la volonté d'appliquer concrètement et de forcer les commerçants à le faire a suscité des débats très intenses, et donc qui rappellent aussi ces politiques des années 80-90 en Algérie. Donc ce sont des discussions qui sont toujours animées. Dans le cadre de cet environnement arabisé, on retrouve aussi les médias, les programmes diffusés au cinéma ou à la télévision dans cette période des années 70-80. Alors j'avais fait une sorte de sondage, enfin vraiment pas exhaustif pour l'instant, mais que je voudrais approfondir, sur les programmes des cinémas dans les journaux algériens, annoncés dans les journaux algériens. Et on voit en fait qu'il y a énormément à la fois de films américains, de blockbusters comme on les voit partout, de films français, de films européens. Mais il y a aussi à chaque fois des films égyptiens, puisque c'est l'Égypte qui a l'hégémonie culturelle sur la production en langue arabe. Et donc ces feuilletons et ces films égyptiens ont aussi eu
une importance dans l'arabisation de l'environnement, mais qui est une arabisation par l'arabe égyptien et pas forcément par l'arabe fusha ou littéral comme les pouvoirs l'avaient l'avait cherché, ce qui amène en fait au fait qu'il y a toute une génération de Maghrébins en général qui ont regardé ces feuilletons et donc qui comprennent parfaitement l'Égyptien, qui parfois le parlent. Et donc, c'était, je pense, dans la conférence de Catherine Miller, dans le même cycle, elle avait expliqué comment ça peut aussi influencer, changer les parlers, parce qu'on va utiliser un terme qui est utilisé beaucoup dans les films, et donc, comme quand on utilise le franglish, ça fait cette... cette transformation aussi de la société par, disons, par infusion. Et donc là, il y a beaucoup de travaux qui ont été cités par Catherine Miller, donc je vous renvoie aussi à sa conférence en ligne qui avait été menée dans le cadre de ce cycle. J'en arrive à mon deuxième point sur l'arabisation de l'enseignement, avec donc une politique tournée vers l'avenir, c'est-à-dire que l'idée de cette partie-là, c'est de montrer que l'enjeu est de former des générations qui ne se poseront plus la question de l'arabe parce qu'ils auront été dans un environnement complètement arabisé. Et donc l'idée dans les années 70 et 80 est de revenir à une authenticité dans la modernité. Donc authenticité de l'identité culturelle qui a été bafouée ou qui a été abîmée. Et en même temps, de ne pas revenir à la société précoloniale non plus parce qu'il y a une volonté de révolution ou de modernisation. Et donc c'est cette... C'est cette idée qui anime en fait les politiques d'arabisation de l'enseignement, qui pose des enjeux qui sont d'abord des enjeux sociaux. Les enjeux sociaux de l'arabisation de l'enseignement sont d'abord liés à plusieurs questions. La première question, c'est qui enseigne. Ça rejoint ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait qu'il y ait des élites bilingues pour le Maroc et la Tunisie, quelques élites arabophones pour l'Algérie. Conduit en fait, de toute façon, même ces élites-là, quand elles sont capables d'enseigner en français, quand le système reste français ou enfin francophone, ou quand elles peuvent enseigner en arabe, elles sont de toute façon trop peu nombreuses. Donc, se mettent en place des systèmes pour compenser ce manque de cadres et d'enseignants, à la fois par le recrutement à des niveaux de diplôme plus bas. C'est la fonction des moniteurs dans les premières années de l'arabisation, enfin de l'enseignement en fait, de la mise en place de l'éducation nationale, des moniteurs en français et en arabe, c'est le cas pour l'Algérie. Ça peut être aussi donc le recrutement comme l'équivalent en fait pour le Maroc. Alors je ne sais pas si on utilisait le terme de moniteur, mais en tout cas c'est le même phénomène. Et puis avoir recours à des jeux d'inclusion d'exclusion, donc inclusion de coopérants. Et exclusion en particulier pour le cas algérien parce que, par exemple, ceux qui avaient été formés en France métropolitaine mais en arabe, donc ceux qui étaient agrégés d'arabe, étaient laissés de côté à la faveur d'orientaux plutôt ou de cadres arabisés qui avaient été arabisés dans le monde arabe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est complètement opposé à ce qui a été mis en place pour la Tunisie et le Maroc, où ce sont au contraire les agrégés qui ont été les cadres et qui ont mené les politiques d'arabisation. Donc on retrouve là des enjeux qui sont plutôt des rapports de pouvoir, des rapports d'accès en fait aux opportunités. Et donc cette question du capital social que j'évoquais en ouverture se manifeste en fait dans les opportunités d'accéder à la fonction publique. Sur les enjeux sociaux, on a donc cette politique de coopération qui est valable pour le français, mais qui est assez connu maintenant avec des ouvrages qui ont été publiés en 2012, en 2014, de synthèse en fait sur le temps de la coopération française pour l'Algérie et pour le Maghreb en général. D'ailleurs, il y a des ouvrages qui portent aussi sur le Maroc. Et on retrouve en fait ce recours aux coopérants pour l'arabe en fait, pour l'enseignement en arabe. Et donc plus on arabise et plus on a besoin aussi non seulement d'enseignants pour la langue en tant que telle, mais aussi des enseignants pour les mathématiques en arabe, pour les sciences naturelles en arabe. Et donc là, on a besoin de personnels qui sont formés non seulement à enseigner la langue, ce qui était déjà le cas des élites arabophones auparavant, mais qui sont aussi formés pour enseigner des matières spécifiques, ce qui n'était pas toujours le cas. Et donc c'est avec cette
politique de coopération que des enseignants orientaux viennent enseigner l'arabe, et donc pas seulement pour les cours de langue, comme je le disais, mais aussi pour ceux qui enseignent la langue, l'enseignement islamique, c'est-à-dire que les deux vont de pair dans la fonction, en fait, quand on enseigne la langue arabe, on enseigne aussi l'éducation islamique, et donc ça a pu aussi poser des enjeux spécifiques en fait en termes culturels aussi sur les rapports entre le Maghreb et le Mashrek, puisque en fait parmi les coopérants orientaux il y avait aussi des chrétiens qui donc ne se sentaient pas forcément légitimes d'enseigner l'éducation islamique alors qu'ils étaient tout à fait légitimes pour enseigner la langue arabe, et donc ça relève aussi des enjeux qui dépassent un petit peu le cadre des politiques d'arabisation à proprement parler, mais qui sont intéressantes pour comprendre les sociétés. Sur ces politiques de coopération, on a des enjeux diplomatiques aussi qui sont importants, parce que les missions d'enseignants qui sont envoyées pour renforcer les enseignants, enfin les équipes d'enseignants maghrébins, sont négociées en fait de façon bilatérale entre le pays qui est demandeur et le pays qui offre les employés, enfin les enseignants. Et donc, dans ce cadre-là, je suis en train d'essayer de comprendre, en fait, de déterminer quelles étaient les modalités de ces missions, quelles étaient les modalités des échanges, est-ce que le temps était déterminé, quel était le salaire, est-ce qu'il était plus important comme un expatrié, ou est-ce qu'au contraire, il y avait une volonté d'encourager la mise en place de ces politiques-là avec un salaire local. Donc voilà, toutes ces questions-là, je n'ai pas encore les réponses. En revanche, on connaît très bien les enjeux diplomatiques liés aux interactions avec l'ancienne puissance coloniale, parce que pour parler du cas algérien à nouveau, on sait que Ben Bella a demandé à Nasser, donc le président algérien a demandé au président égyptien de lui envoyer des enseignants en arabe avec des questions sur les niveaux de formation de ces enseignants égyptiens. Et donc ça, c'est déjà un premier sujet de discussion, de polémique, disons, au sujet de l'arabisation, c'est-à-dire le niveau de ces enseignants égyptiens qui étaient peut-être coiffeurs ou cordonniers dans leur pays, et ça, c'est revenu très souvent dans les articles de presse qu'on peut consulter sur cette période-là. Mais c'est aussi un enjeu diplomatique par rapport aux Français, parce qu'en fait, les Algériens accusent les Français, les services secrets français, d'avoir répandu des rumeurs de façon à blesser Nasser pour que Nasser reprenne ses enseignants égyptiens. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans des mémoires de diplomates, notamment d'un diplomate algérien qui s'appelle Rabih Meshrout, qui évoque ces enjeux diplomatiques au-delà en fait des enjeux binationaux pour les questions de coopération enseignante. Donc, j'avais posé la première question de qui enseigne l'arabe. Maintenant, on a la question de qui étudie l'arabe. Parce qu'en fait, dans les premiers temps, dans les sections arabisées, on a très peu d'enfants des élites. Parce que les enfants des élites vont encore dans les écoles françaises ou dans les missions françaises, pour la plupart. Et on y reviendra tout à l'heure sur la question de la place du français. Une fois qu'on sait qui a étudié en arabe, donc plutôt les classes les plus populaires, une fois diplômé, qui travaille? Ça aussi, c'est un enjeu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est diplômé en langue arabe, si tout le marché du travail se fait en français, on se retrouve bloqué. Donc ça a généré des frustrations et ça, c'est lié en fait aux questions très politiques en fait, des années 70-80, de la montée de l'islam politique, des interactions parfois violentes au sein des universités entre les arabisants et les francisants. Et donc, on a une dimension culturelle et politique qui s'ajoute à ces questions proprement sociales. Autre point, les enjeux pédagogiques. J'ai parlé des reproches qui étaient adressés aux coopérants orientaux sur le niveau d'éducation, sur le niveau de diplôme en fait, mais les reproches portent aussi sur les questions pédagogiques et sur les méthodes en fait d'enseignement qui ont été apportées avec ces coopérants orientaux et qui ont marqué en fait pour la plupart une fracture entre une pédagogie de la mémorisation. Donc l'enseignant donne son cours, il faut apprendre le cours par cœur, et si on le retranscrit tel quel, on a une bonne note. Ou alors une pédagogie plus appuyée sur les modèles de pédagogie nouvelle ou de pédagogie moderne qui réfléchissait à l'interaction avec l'élève et à essayer d'amener à la réflexion. Et donc ces deux pédagogies différentes se sont confrontées aussi, et donc ont polarisé sur la question des langues, des questions qui étaient en fait des questions pédagogiques.
Et ça rejoint aussi peut-être la thématique générale du cycle, qui était la langue arabe entre sacré et profane, puisque dans la recherche, disons, d'explications sur la pédagogie et sur le fait d'apprendre par cœur, dans les échanges avec Gilbert Grand-Guillaume, il suggérait, parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la question de la psychanalyse et la question de la langue, appliqué ou questionné par la psychanalyse, et il s'interrogeait sur le fait que l'apprentissage par cœur puisse permettre de rester imperméable à ce qui est enseigné et donc d'être une façon de résister à ce qui est enseigné, ce qui entre en fait en opposition avec les méthodes traditionnelles d'enseignement coranique qu'on retrouve dans les travaux d'anthropologie sur l'Algérie, mais aussi sur l'Afrique subsaharienne, par exemple, où la mémorisation passe par le corps et où la pratique physique, en fait, corporelle, fait partie de l'apprentissage du Coran. Par exemple, le fait de boire l'eau de l'éponge qui a nettoyé les versets coraniques pour intégrer mieux. Et donc, c'est le fait d'assimiler, en fait, même physiquement, le Coran. Et donc, les deux, si vous voulez, se contredisent, mais ce sont des pistes de réflexion sur lesquelles je n'ai pas encore tout à fait de conclusion, mais qui permettent de réfléchir aussi à ces enjeux qui dépassent, en fait, les simples niveaux intellectuels et politiques, mais qui entrent en fait dans la vie quotidienne et dans le corps des gens. Là encore, on retrouve des échos à ces questions d'enjeux, est-ce qu'ils sont pédagogiques ou est-ce qu'ils sont linguistiques, en Tunisie récemment, avec en 2015 un article qui avait été publié dans Jeune Afrique qui évoquait le problème de la pédagogie en Tunisie comme étant premier par rapport à la question de la langue. Donc en disant, en fait, le problème, c'est pas tellement qu'on enseigne en arabe ou en français, mais c'est comment on enseigne. Et donc on retrouve ces questions-là jusqu'à maintenant avec les facteurs afférents qui sont la massification, la démocratisation de l'enseignement et en même temps le maintien d'un enseignement élitiste et donc cette tension entre les différentes politiques qui sont menées. Dernier point sur l'arabisation de l'enseignement supérieur pour cette partie, avec des questions qui sont donc surtout dans les années 1980, c'est-à-dire quand on a entamé déjà les processus d'arabisation pour le primaire, le secondaire, et l'enseignement supérieur reste longtemps, et en fait jusqu'à maintenant, un bastion plutôt francophone au Maghreb, avec du côté algérien une volonté d'arabiser et donc de mettre en place des politiques à partir des années 1980 qui forcent, en fait, qui obligent les enseignants dans le supérieur, donc les professeurs d'université, à s'arabiser ou alors à quitter leur poste et de laisser leur place à quelqu'un qui a été diplômé en arabe. Et donc ça crée aussi des tensions dans la société puisqu'on a un ouvrage d'un chercheur algérien qui s'appelle Ahmed Ben Norman qui a fait des recherches dans les années 80 de terrain parmi les fonctionnaires et notamment les enseignants dans l'enseignement supérieur. Donc le titre de l'ouvrage, c'est « Ta'rib bayn al-mabda wa al-tadbir », donc l'arabisation entre les principes et l'application. Et il expliquait les reproches dans les questionnaires qu'il avait recueillis, qui étaient faits en fait à ces politiques d'arabisation, parce que les cours pour adultes, pour pouvoir s'arabiser, pour rester en fait à son poste, étaient donnés par des jeunes diplômés qui n'avaient pas en fait le niveau culturel et le niveau de connaissances et de compétences des enseignants. Et donc, en fait, il s'en suit évidemment une frustration de la part des enseignants par rapport à ce qu'on leur enseigne, qui va contre ce dont ils ont réellement besoin. C'est-à-dire qu'on leur apprend des formules toutes faites pour la communication et eux, en fait, ils ont besoin de traduire un cours très précis avec du vocabulaire scientifique ou historique très précis. Donc frustration, d'autant plus que les fonctionnaires qui font ces cours pour les adultes dans le cadre de l'arabisation de l'enseignement supérieur ou de la fonction publique en général, souvent ne sont pas forcément convaincus de la nécessité d'arabiser et trouvent que c'était très bien quand ils enseignaient en français. Donc ils ont déjà une difficulté à venir s'impliquer dans ce processus et en plus il y a une violence de ce qu'on leur renvoie dans la formation. On retrouve pour l'enseignement supérieur au Maroc ou en Tunisie des questions qui sont similaires mais qui ne sont pas liées à cette volonté d'arabisation parce qu'en fait l'arabisation c'est beaucoup moins faite. Pour la Tunisie, l'essentiel ça a été sur
les études juridiques, pardon, pour un aspect pratique, en fait, pour pouvoir appliquer dans la justice, en fait, puisqu'il y avait eu arabisation de la justice, et donc il fallait pouvoir appliquer les usages dans ce domaine-là. Mais sinon, en dehors des lettres arabes, c'est plutôt un enseignement francophone. Pour le Maroc, on retrouve aussi cette question-là, mais qui se surajoute avec la question des parlers quand on arrive dans les sciences sociales et humaines, par exemple en anthropologie. Dans un entretien qu'on a mené récemment avec l'anthropologue marocain Hassan Rachik dans la revue Mondes Arabes, il évoquait en fait cette difficulté que son terrain était en milieu berbérophone, donc il devait recueillir une parole en berbère, et puis après il fallait qu'il la traduise en arabe ou en français selon la destination de la publication. Et donc il parlait d'un triple effort en disant: on me donne le mot en berbère que je ne connais ni en français ni en arabe, parce que la réalité qu'il a vue, c'est qu'il ne la connaît qu'en berbère. Et il parlait par exemple des flanc d'une montagne, le côté du soleil, le côté de l'ombre. Et donc ça, c'est des réalités qu'il a vues, qu'il a associées à un mot en berbère, mais il n'a pas. Donc il a fait des recherches derrière pour comprendre quel était le terme juste en français ou en arabe en fonction de la langue qu'il devait utiliser. Sur ce sujet, on retrouve aussi les organisations institutionnelles comme la Ligue arabe qu'on a évoquée au début de la conférence, et notamment de son organisme culturel qui est l'ALESCO, qui en mai 1981 réunit un congrès sur la question de l'enseignement supérieur et de l'arabisation, et qui ne donne pas de solution toute faite, mais qui pose, disons, les termes des échanges sur les difficultés, sur les expériences qui ont pu être réalisées, qui peuvent être utiles pour les autres. Et donc, à partir de là, chaque pays est libre de se servir de ces techniques. Donc, globalement, on a une arabisation qui se fait sur les lettres, principalement, donc les lettres arabes, sur les sciences humaines et sociales pour l'Algérie, mais pas du tout et nulle part dans les sciences dures, entre guillemets, et notamment sur l'enseignement de la médecine. Ce sont des questions qu'on ne retrouve pas qu'au Maghreb, qu'on retrouve aussi, et jusqu'à aujourd'hui, dans les débats, dans les académies de langue arabe du Caire ou de Bagdad, sur la question de cet enseignement supérieur de médecine. Est-ce qu'il faut l'arabiser? Auquel cas, quel terme on choisit? Ou est-ce qu'il faut maintenir en anglais ou en français selon la langue dans laquelle c'est enseigné à ce moment-là? Et donc, dans un article de 2014 que j'avais donné à étudier à mes étudiants, qui est là d'ailleurs, c'était un auteur irakien qui est membre de l'académie en Irak, mais qui est aussi membre invité dans l'académie du Caire, et qui raconte une séance de débat à l'académie du Caire autour de l'arabisation de la médecine qui tourne vraiment autour d'antagonisme très fort sur oui, il faut arabiser et non, il ne faut pas arabiser. Donc chacun apporte ses arguments, notamment sur les réalités du marché ou les réalités de l'internationalisation, des techniques, de la volonté d'être au plus près des termes médicaux qui sont utilisés dans les revues spécialisées, par exemple, donc dans les revues qui sont en anglais. Et donc ces débats-là ne sont pas propres au Maghreb, mais on les retrouve aussi. Tout ça m'amène à des réserves sur cette politique qui sont exprimées dès la fin des années 1960, dans la presse, évidemment, mais aussi dans certains milieux qui émettent des communiqués, donc par exemple dans la justice ou dans l'université. Et donc j'en viens à la question des résistances et des oppositions à l'arabisation. J'essaierai de ne pas être trop longue puisque je vois qu'il est déjà 19h30. Alors ces résistances, ces oppositions, on les retrouve. Je vais les observer plutôt comme des réactions, mais en fait on pourrait aussi poser le débat dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire que c'est la politique qui a été menée qui n'a pas pris en compte les positionnements des personnes qui défendent la résistance ou l'opposition. Ça va se clarifier quand je vais entrer dans le cœur du sujet. Je relève trois centres, disons, ou trois foyers de résistance, d'opposition. Le premier, c'est celui qui est lié à la question des langues maternelles. Je l'ai évoqué dans l'introduction, le fait qu'il y ait des dialectes arabes ou berbères et que ceux-ci aient été en fait écartés soit par imprécision, dans le flou, parce qu'on dit on parle l'arabe, donc on ne se questionne pas de savoir si c'est un arabe parlé ou un arabe écrit. Mais aussi parfois, et ça a été le cas par exemple pour le Maroc chez les partisans de Mehdi Ben Barka, donc chez les
le parti à gauche, en fait, et qui est donc partisan de l'arabisation, mais qui est partisan de l'arabisation même pour, en fait, infuser dans la société. Donc, qui estime que, à terme, cette arabisation, elle doit permettre d'unifier et donc d'éliminer, en fait, les parlers berbères, les parlers dialectaux, pour arriver à une unification nationale. Donc, cette question-là est toujours très présente. Elle a fait, évidemment, l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de réflexions, notamment dans les années 1970, des propositions qui sont assez rares, mais qui sont parlantes, en fait, sur l'enseignement en dialectal, et qui ont été écartées très rapidement, mais qui ont suscité quand même la polémique et la discussion. Ça a été le cas en Algérie, avec une lettre ouverte en faveur de l'enseignement en arabe dialectal. Ça a été le cas en Tunisie, avec un journaliste qui avait proposé dans les années 70 aussi, dans des articles, cette suggestion. Voilà, sans réel écho dans les politiques publiques. Mais en revanche, ça ressurgit. Et là encore, je sors un peu de la zone de la période qui était mentionnée, parce que avec le mandat de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Gavrit, en Algérie, entre 2015-2017, elle a voulu monter un groupe de travail qui réfléchissait à la place de la langue dialectale dans l'enseignement. Et cette proposition, qui n'était encore pas acté, c'était dans le cadre d'un rapport qui devait être transmis à la ministre, a suscité des oppositions très fermes et très, très violentes, en fait des réactions très violentes envers la politique de la ministre, notamment de la part de l'actuelle Association des Oulémas musulmans algériens, donc l'association sur laquelle j'avais travaillé précédemment. C'est encore une autre logique ici que celle qui a prévalu pour essayer de défendre la langue arabe dialectale, donc la langue arabe parlée, des emprunts ou des apports étrangers, en fait, qui pourraient la modifier, donc avec une volonté de purifier la langue arabe dialectale qu'on trouve dès les années 1930 dans les discours de ceux qui sont en faveur de cette arabophonie, disons. Mais là, c'est vraiment autre chose, c'est l'idée de la place du dialecte dans la sphère publique, dans la sphère de l'éducation, qui est en discussion dans les années 2000. La question du dialecte, elle est liée aussi à la question des langues berbères, puisqu'on a, moins pour la Tunisie, mais pour le Maroc et l'Algérie, des populations berbères qui sont très nombreuses, qui parfois mènent ou portent une revendication culturelle et politique pour l'enseignement, ou en tout cas pour la reconnaissance de cette langue berbère. On l'a retrouvée en Algérie, par exemple, dans les années 1980, avec le mouvement culturel berbère, qui a essayé de relancer, en fait, justement, à l'université, des conférences sur la culture berbère qui ont été interdites, et donc ça a provoqué des mouvements de révolte en Kabylie notamment. Au Maroc, il y a aussi un mouvement politique qui s'appelle le mouvement populaire, qui a été fondé à l'indépendance et qui demandait à cet enseignement du berbère, des langues berbères et cette reconnaissance, tout en affirmant qu'elle ne s'opposait pas à l'arabe, mais qu'elle devait être reconnue comme telle. Et donc là, c'est là que je disais qu'il y a aussi des oppositions aux politiques d'arabisation, mais qui viennent aussi des politiques elles-mêmes. C'est-à-dire que l'aspect du pluralisme et de l'identité plurielle des États n'a pas forcément été questionné dans les premiers temps de ces politiques d'arabisation, ou en tout cas pas posé dans le débat, alors que ça a ressurgi très fort dans la fin des années 70 et le début des années 1980. Autre débat qui ont ressurgi très fort, c'est la question de l'arabisation-islamisation. Et donc de la part des mouvements islamistes dans les politiques d'arabisation, ou inversement, de la part des politiques d'arabisation dans l'islamisation de la société. Et donc ça, ce sont aussi des débats qui sont très prégnants et qui marquent des positions, disons, aussi politiques dans les sociétés. On a, dès 1962, en octobre 62, un discours du président algérien Ben Bella, qui est retranscrit dans les journaux, dans la presse, pour dire que l'arabisation n'est pas l'islamisation. Donc s'il le dit, c'est bien que la question se pose à ce moment-là et que l'identification par les populations se fait par là. Et d'ailleurs, c'était dans les échanges avec Gilbert Grand-Guillaume, une
des réflexions qui lui venaient à l'époque. Lui, il était enseignant dans les années fin 60, et les Algériens disaient, mais on ne va pas revenir quand même au XIVe siècle, avec une impression de retour en arrière et de revenir à des structures de société qui étaient antérieures. Donc ça, c'est quelque chose qui est lié aussi à l'imaginaire, à ce qu'on projette comme référent identitaire et comme appartenance identitaire. Et donc c'est aussi à la base, évidemment, de ces sociétés. Ça a été renforcé, comme je le disais tout à l'heure, par toutes les polémiques autour des coopérants orientaux qui auraient participé parce que c'était des frères musulmans envoyés par Nasser pour s'en débarrasser. Et donc tout ça, c'est des débats qu'on trouve beaucoup dans la presse et sur lesquels, la lumière n'a pas été complètement faite parce qu'il n'y a pas d'études à proprement parler sur ces enseignants orientaux. Dernier point, le maintien du français. Pardon, je vous avais une petite carte des zones berbérophones, l'association avec un schéma. Et donc le maintien du français et le discours sur l'échec de l'arabisation. Ce maintien du français, donc, comme je le disais, il est plus ou moins informel, en fait, parce qu'il y a une évolution, en fait, qui est forcément lié au fait que le français permet les ressources en fait économiques et sociales dans les sociétés maghrébines jusqu'à la période toute contemporaine. Kateb Yassine, l'auteur algérien, parlait d'un butin de guerre à la sortie de la colonisation en disant on ne devrait pas s'en départir parce que c'est ce qu'on retient, c'est ce qu'on garde de cette période de colonisation et qu'on va pouvoir ressortir contre lui. On parle aussi de langue du pain pour le français parce que c'est ce qui permet d'avoir accès au marché de l'emploi. Et donc dans toute la période que j'ai évoquée des années 60 jusqu'aux années 80, en fait, les politiques d'arabisation sont très actives, très présentes, mais les résultats concrets ne sont pas encore là, parce qu'il faut former, il faut arabiser, et donc ça prend du temps de former des fonctionnaires dans une langue qu'ils ne maîtrisaient pas du tout. C'est aussi lié, cette présence du français, à un maintien, voire à une hausse de l'immigration vers la France après les indépendances, et donc à un lien avec l'ancienne métropole qui reste très fort, au-delà des intérêts économiques et diplomatiques, mais aussi dans les rapports familiaux ou dans les rapports amicaux. L'autre part, donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la question de la coopération et donc de l'importance aussi de la place du français dans cette politique d'aide au développement, de coopération technique, de coopération dans l'éducation. Et donc ça maintient en fait cette place du français. On le voit, je ne sais plus si je l'ai mentionné tout à l'heure, mais on le voit aussi dans les dossiers de coopérants arabes, notamment pour les Syriens, par exemple, dans les archives diplomatiques de la Courneuve, donc les archives des Français qui observent la politique d'arabisation qui est menée en Algérie dans les toutes premières années. Et en fait, ils mentionnent le niveau de français des enseignants. On se rend compte, en fait, qu'une fois qu'ils sont en Algérie, s'ils ne sont pas du tout francophones, dans les premières années de ces politiques d'arabisation, en fait, l'administration est encore totalement francophone. Donc, ces enseignants arabes se retrouvent démunis pour aller demander un formulaire ou une autorisation à leur administration de tutelle. Donc, ça aussi, ce sont des questions qui se posent, évidemment, avec la question que j'ai évoquée tout à l'heure, le fait que les élites maintiennent le capital social de leurs enfants en les mettant dans des missions culturelles françaises. Et donc ça provoque un sentiment d'injustice très fort de la part des populations qui, elles, se plient aux politiques d'arabisation et qui se retrouvent avec des enfants diplômés chômeurs. Et donc là, il y a énormément aussi, il y a pléthore de sources sur cette injustice ou cette hypocrisie des élites qui ont mené l'arabisation. On le retrouve beaucoup de discours sur cette dimension-là. Et enfin, la question du français, elle est liée aussi à un discours sur l'échec de l'arabisation qui est très présent dans les trois pays et qui se retrouve parfois aussi en fonction des situations politiques. Et donc ça m'amène vers ma conclusion sur cette notion d'arabisation qui est en fait très liée à la fois à la langue mais aussi au pouvoir, comme on le voit à travers ce que j'ai
développé dans les trois parties, avec des débats qui se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, avec des questions qui sont toujours présentes sur les identités plurielles, sur le rapport à la langue parlée, sur le rapport à l'arabité, qui sont très présentes, qui se mêlent aussi de dimensions politiques plus propres à une opposition à un gouvernement ou une opposition à une politique qui est menée. Et le fait aussi que ces politiques d'arabisation sont les fruits des politiques précédentes. Je donne une dernière illustration de ce point-là avec un travail qui a été mené en thèse par Kaoutar Ghilani, qui est une chercheuse qui a travaillé sur le Maroc et sur l'arabisation au Maroc, mais spécialement sur le discours de l'échec de l'arabisation. Et elle explique que après 2011, donc après les révolutions arabes, il y a eu une volonté de réinstaurer le français au Maroc ou de redonner de la place au français au Maroc. Et elle l'explique comme étant aussi une façon pour le pouvoir royal par ce discours de l'échec de l'arabisation, de dévaloriser le parti islamiste qui est entré dans la vie politique dans les années 90, qui est le PJD. Et donc elle a une réflexion aussi sur les prolongements très politiques de cette idée de l'échec de l'arabisation. Sauf que dans le fond, on a quand même trois pays dans lesquels l'administration se fait maintenant en arabe, dans lesquels les formulaires à remplir pour faire une demande de visa sont en arabe. Donc il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup les échecs de l'arabisation, mais on ne voit plus les réalisations parce qu'elles sont devenues évidentes. Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, je serai preneuse, sachant que c'est un travail en cours, je prends toutes les remarques et les critiques que vous auriez à formuler. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup, madame, pour votre exposé remarquable. Je voulais juste dire deux petites choses, enfin rappeler le départ faussé de cette politique. Je ne parle que du Maroc, je ne connais pas l'Algérie, encore moins la Tunisie. Cette politique d'arabisation qui a été menée d'une façon à la hussarde au moment de l'indépendance par des gens du parti de l'Istiklal était vouée à l'échec et ça a été vu très vite par l'historien Charles-André Julien. Dans sa fameuse lettre au chambellan du roi et Benani, où il disait, messieurs, je cite comme ça de mémoire, les ulémas qui prônent l'arabisation font la queue devant les établissements de la mission culturelle française pour inscrire leurs enfants. C'est la même chose pour Al-Alfassi, le leader du parti, et ses partisans. Leurs enfants ont fait leur scolarité dans les établissements d'enseignement secondaire, et par la suite au lycée Louis le Grand, et certains sont passés à l'école polytechnique. Ça, c'est les prévisions de Charles-André Julien se sont révélées juste 40 ans après. Et la deuxième phase, qui est aussi une phase extrêmement brutale, c'est celle qui était menée toujours par les membres de l'Istiklal, notamment l'Irakien, le ministre de l'Éducation nationale, dont les enfants ont fait leurs études ici à Paris. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, je lui fais la remarque. Vous voyez, le départ de cette arabisation, enfin, les promoteurs ont quand même, je pense, une idée très objective, à savoir offrir une formation de qualité pour leurs enfants qui seront les cadres de demain, ce qui s'est révélé. Il suffit de voir les noms des responsables des années 60 et maintenant. Et puis, bon, la piétaille est issue de sociétés, de classe modeste, eh bien, on leur donne un ersatz de formation et qui vont devenir par la suite de la main-d'œuvre pour l'économie informelle. Vous voyez, ça c'est. Mais j'ai d'autres choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Merci beaucoup.
Simplement une question toute simple. Aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, comment se fait l'enseignement ? Est-il en anglais, en français ? Parce que même en France, pour avoir accès aux dernières publications, il faut connaître l'anglais. La plupart des cours maintenant, ou la moitié, diront-nous, se fait en anglais dans les grandes écoles. Alors comment, où en est-on actuellement dans les trois pays du Maghreb, puisqu'il faut s'adapter, et même nous, Français, nous devons parler l'anglais. La question de l'anglais, elle est revenue sur le devant de la scène pour l'Algérie en 2022, parce que le président a annoncé qu'on allait effectivement se tourner vers l'anglais dorénavant, plutôt que vers le français, et ça a été interprété plutôt dans le prisme justement de l'opposition entre francophones, arabophones, comme étant une porte de sortie, mais qui ne résout pas en fait le problème principal. Mais certainement, c'est aussi un des enjeux, c'est-à-dire que la connaissance de l'anglais, comme vous le disiez, est indispensable partout avec la mondialisation. Donc, le fait qu'il y ait ce bilinguisme ou alors voilà, des langues qui ne sont pas complètement maîtrisées par les étudiants, mais dans lesquelles ils étudient. Parce que, par exemple, pour les études de médecine que je citais tout à l'heure, tout le cursus est en arabe. Donc, plus, en fait, je parle pour l'Algérie que je connais le mieux. Plus vous avez une bonne note au bac et plus vous pouvez accéder à ces études de médecine, mais en fait, les études de médecine sont en français. Donc, ça crée des situations où il faut repasser un an en fait, de mise à niveau en français pour pouvoir poursuivre ces études. Et ça, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes questionnements dans les débats dans les académies moyen-orientales, en fait, sur le rapport à l'anglais. Sur la place de l'anglais pour le Maroc et la Tunisie, je ne saurais pas répondre là-dessus. Peut-être que d'autres ont dans la salle des connaissances là-dessus, mais c'est sûr que c'est un enjeu qui se surajoute à la question principale des débuts de l'indépendance qui sont français ou arabes. Et là, c'est vrai que je pense que dans les travaux les plus récents, et notamment dans les travaux de sociolinguistique ou d'intérêt vraiment pour les questions de la langue et des politiques linguistiques, on retrouverait cette question de l'anglais dans les dernières années. Moi, c'était juste, j'ai peut-être loupé l'info, mais j'ai pas bien compris ce que c'était, les moniteurs bilingues. Oui. Ouais. En fait, ils sont pas bilingues, ils sont moniteurs en arabe et en français, mais c'est pas les mêmes. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc, moniteur, c'est un statut au moment de l'indépendance en fait, c'est juste le fait qu'ils sont pas vraiment instituteurs ou enseignants parce qu'ils ont pas la formation pour. Donc, ils ont le certificat d'études primaires. Donc c'est vraiment le minimum qu'ils puissent avoir. Et ils peuvent enseigner pour les enfants dans les premières années de l'indépendance pour compléter en fait les effectifs enseignants. Et il y a eu toute une thèse là-dessus qui a montré en fait justement à la fois ce que ça avait provoqué comme difficulté pour l'enseignement et pour les enfants eux-mêmes, mais aussi pour les moniteurs eux-mêmes par rapport à aux instituteurs où en fait il y a un sentiment d'humiliation, de rabaissement et de ne pas être à sa place, mais en même temps il n'y a personne d'autre pour le faire, donc tout le monde est bien content qu'il soit là pour le faire. Donc ça a été tout un enjeu qui n'existe plus maintenant, mais qui était pour les premières années de l'indépendance. Du coup, j'avais juste pas compris quand vous parliez de le fait de pas vouloir revenir en arrière au XIVe siècle. C'était qui disait cet argument-là ? Donc ça, c'est plutôt de ce que j'en déduis. En fait, ça m'a été raconté dans une conversation comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans les sources, mais ça m'a été raconté. Mais à mon avis, c'était plutôt des milieux francophones éduqués qui avaient cette vision-là d'un retour. Parce que c'est aussi lié à la situation religieuse. Alors pour l'Algérie, vous aviez des confréries qui étaient en fait l'islam, confréries qui étaient majoritaires. Et puis dans les années 1930, il y a l'émergence du mouvement du réformisme musulman qui est en fait qu'on retrouve aussi au Maroc. Hein, c'est les mêmes dynamiques et en Tunisie. Et donc dans le passage par la guerre d'indépendance et l'arrivée à l'indépendance, il y a la volonté de sortir, en fait la guerre d'indépendance algérienne elle est appelée révolution par les Algériens, donc il y a la volonté de sortir des structures antérieures, notamment des structures féodales, c'est le terme qui est utilisé, des structures réactionnaires, voilà, c'est tout le vocabulaire de la révolution en fait de ces années 60 et 70. Et donc c'est associé en fait à cet enseignement précolonial qui était islamique. C'est juste pour l'information concernant l'enseignement de l'anglais. Vous êtes certainement au courant de cette excellente université Mohamed VI Polytechnique qui a maintenant une antenne à Paris
une à Rabat, et la maison mère est à Ben Guérir, et puis aussi au sud du Maroc, à Laayoun. Les cours se font en grande partie en anglais, et un petit peu en français. Je ne pense pas qu'il y ait des enseignements en arabe, ça je ne sais pas. Mais en anglais, j'ai visité des lieux, et en français, oui. Et juste une statistique, l'école polytechnique française a réservé cette année 60 places pour les candidats étrangers. 41 places ont été raflées par les Marocains. Ben, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je remercie Charlotte Corail pour cette conférence extrêmement claire. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, ce sera le 7 mai, avec une conférence sur les diasporas arabophones en France. Merci beaucoup de votre présence et de votre écoute.